Donc maintenant qu'on a vu ensemble les patterns, eh bien écoutez, on va essayer de se faire une run. Alors je vais essayer d'être concentré et je vais essayer de la faire rapidement et efficacement. Donc au début, il fonce devant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les ailes. Oh, ok, il a même pas foncé. Bon, il fait ses lasers jaunes. Voyez, rayon gravité, champ max range là. Allez, on va lui mettre un peu de dégâts. Donc laser gun forte. Ouais, il fait pas du tout les patterns dans le même ordre. Donc quand on lui met assez de dégâts, il envoie les renforts. Donc les renforts, c'est les petits trucs. Et après, quand on atteint encore un autre seuil, il clone. Et le clone, normalement, lance directement le... comment ? Le rayon gravité. Mais là, je l'allume. Allez, vous voyez, le clone a popé. Et directement, paf, il a fait un rayon gravité. Donc moi, je reste sur le vrai. Donc là, je vais avoir un souci, c'est que je vais tomber à court de munitions. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais en descendre un ou deux petits, voilà, en essayant de ne pas le perdre de vue. Évidemment, ils se sont mélangés. Donc là, vous voyez, il y en a un qui fait la boule disco, l'autre les lasers jaunes. Je sais que le mien avait fait les lasers jaunes juste avant. Donc il y a de fortes chances que le bon soit celui-ci. Soit celui qui n'ait pas fait les lasers jaunes. J'ai quand même plus de munitions, donc j'allais les chercher. La rayon gravité, ok. Donc rayon gravité, je sais que celui-là, c'est le faux. Ok, donc la boule disco, il y a de fortes chances que ce soit le mien. Le gun fort, à mon avis, là, le gun fort, c'est le mien. Donc attendez, je vais encore ramasser quelques munitions. Donc le mien, c'est celui-là. Hop, fin de tour sur les armes. Et on bourrine. Ah oui, il y a ce petit laser aussi que j'ai oublié dans les patterns. Vous voyez, l'autre, il est encore en train de faire des rayons gravité, hein. Et voyez, les dégâts sur la cible sont atteints les 75%. Le deuxième clone pop et il a fait quoi? Il fait aussi un rayon gravité. Du coup, le mien, c'est toujours celui-là. Parce que l'autre, il est derrière. Donc les clones, quand ils pop, ils font des rayons gravité. J'ai plus de munitions. On va essayer de se le finir au pompe. Et voyez, lui, il spam principalement la boule disco. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai subi des dégâts de repoussement. En fait, c'est le lance-roquette. C'est ce que je vous disais quand il lance des lance-roquettes. Là, faut absolument prendre les ailes et se barrer. Voilà. Donc, dans les cas comme ça, là, vous perdez votre cible de vue. Pas de soucis. Pas de soucis. Il suffit de regarder. Un qui fait la boule disco. L'autre qui fait un rayon gravité. Donc, c'est pas le rayon gravité. Il y a de fortes chances que ce soit le boule disco. Ça doit être lui. J'aimerais juste... Bon, je vais récupérer des munitions de snipe, ce sera plus simple. Est-ce que j'en ai eu ou pas? Pas du tout. Est-ce qu'il n'y en a pas déjà de base par terre? Voilà, munitions de sniper. Alors, en général, vous récupérez les munitions de l'arme avec laquelle vous avez abattu l'ennemi. C'est pour ça que là j'allais au sol voir si je pouvais pas trouver des munitions d'ennemis. Donc là on a quoi? On a un gravité là-bas, un petit laser là, et lui il fait quoi? Lui il fait des dashs. Je pense que le mien c'est... Alors j'hésite entre lui... Allez, on va viser lui, on va viser celui qui fait pas de rayon gravité. Et voilà, c'était le bon. Donc vous voyez, en connaissant les patterns et qui fait quoi, on peut facilement en perdre un de vue, aller chercher les munitions et retrouver la cible. Donc, les clones, quand ils pop, ils font de la gravité et ils ont tendance à spammer de la gravité tous les 1 à 2 patterns. Enfin, tous les 2 ou 3 patterns. Alors que l'original a tendance à spammer la boule disco. Voilà, donc c'était tout pour cette explication du nouveau boss Eclipse. Et maintenant que j'ai complété la totalité des données d'Eclipse et que j'ai ramassé le plan, et bien écoutez, je vais aller crafter l'épée et je vais faire des petits tests pour voir ce que ça donne. Hey, pense à lâcher un like, à t'abonner et à commenter même, ça me ferait super plaisir. Allez, salut.